Je suis arrivé dans une nouvelle pièce. Pareil, nouvelle pièce, il y a une espèce de petit château. Oui, j'ai un petit château aussi. Il y a un petit château, il y a des escaliers qui descendent. Et attends, il y a en face de ce petit château, on dirait des grilles, un peu comme, tu vois, dans Indiana Jones, quand il marche sur les lettres, là, qui doit former le mot Jéhovah. Oui, oui, bien sûr, un damier, quoi, enfin, un quadrillage. Voilà, c'est un damier, exactement. Oui. Je vais sur les côtés. Voyons, je vais sur les côtés. Oui, moi aussi, j'ai une maquette de château, effectivement, avec un damier devant, quadrillage. J'ai ça. Je suis au bout de la pièce et j'ai des vitraux, mais je pense que c'est du lore, hein, plus qu'autre chose. Ouais, je regarde un petit peu partout. Je pense que ça va se passer sur le damier, à mon avis. Est-ce que tu as une direction? Attends. J'ai un levier à côté que je ne peux pas toucher pour l'instant. Il est rouge pour l'instant, le levier. Apparemment, le levier, je ne peux pas... Ah, attends, je peux utiliser ça. C'est quoi, ça? Ah, j'ai fait un levier, j'ai ouvert un truc. Je sais pas ce que c'est. J'ai ouvert un livre avec marqué « Qu'est-ce que j'ai fait ?» What have I done? Exactement, what I've done. Ok, bon, j'ai ouvert un... J'ai ouvert un levier, mais je sais pas ce que ça sert, en vrai. Ok. Je vais regarder, est-ce que quelque chose qui s'est activé sur mon truc? Non, moi, y'a rien qui s'est activé sur mon machin. Ah, attends. Ah, mais je peux toucher ou... Ah, je peux regarder les vitraux. C'est vrai que j'ai beaucoup de vitraux aussi, à gauche et à droite. J'ai beaucoup de vitraux de chaque côté. Ouais, je peux regarder les vitraux. Ah, et je peux interagir avec les vitraux. Ah, ok, donc c'est avec les vitraux qu'il va falloir faire un truc. Est-ce que t'as 3 vitraux? Je peux, j'en ai plus que ça même. Ah, alors je peux interagir avec les vitraux effectivement. Ah, ils se remettent, ok, quand je les enlève, ils se remettent. Bien. En fait, les vitraux sont en deux parties. T'as toujours un personnage en haut et un personnage en bas. Ouais, alors j'en ai 6 moi des vitraux. Moi j'en ai 3. J'en ai 3 à gauche, 3 à droite. Et je peux interagir avec tous. Interagir, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire avec? C'est peut-être les mêmes. Je peux enlever des parties en fait. Ah, ok. Je peux les désosser, sachant qu'ils sont divisés, si je dis pas de bêtises, en 3 parties. Ouais, c'est ça, ils sont divisés en 3 parties. En 3 parties? En 3 parties à chaque fois, c'est-à-dire que t'as le haut, le milieu et le bas. Le bas va être horrible à décrire. Alors moi j'en ai que 3 des vitraux, donc je sais pas trop lesquels tu dois faire. Il faut peut-être que tu me les décrives, peut-être que mes vitraux sont dans le mauvais ordre en fait, et qu'il faut que je les remette, tu vois. Ouais, je sais pas, mais ouais, mais sauf que toi t'en as que 6. Enfin, t'en as 6, moi j'en ai 3. J'en ai 6, mais c'est 2 fois les mêmes en fait, hein. C'est 2 séries des mêmes en fait. D'accord, donc en gros, ok, bon, bah, je vais t'en décrire un, ok. Ok, vas-y. Alors, en haut, t'as un roi mécontent, tourné de 3 quarts. Vers notre gauche. Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on a les mêmes à chaque fois. Alors attends, parce que je regarde. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je vois le roi mécontent. Ah oui, alors attends, par contre, le roi mécontent, est-ce qu'il a des oignons sur son épaule gauche? Oui. Ok, je le vois. Il a un bracelet de perles. Et, un collier, ouais. Un collier de perles et une armure grise. Ça a l'air d'être gris, ouais. Ok, ça marche. Donc ouais, je l'ai, celui-là. En dessous, j'ai une femme qui a l'air morte, avec une sorte d'épée ensanglantée dans sa main gauche. Une femme blonde. Femme blonde... Épée ensanglantée dans sa... Plutôt un poignard, hein, qu'une épée. Oui, plutôt un poignard, pardon, effectivement, tout ouais, à fait. Oui, elle a un poignard qu'elle tient sur son ventre, sa poitrine, ça et elle est ensanglantée, elle est blonde, et elle est couchée... Je sais pas si t'as différentes positions dans lesquelles elle est couchée. Elle est couchée, sa tête est à gauche. Sa tête est à gauche, exactement, c'est ça. Ok, alors peut-être, bah écoute, je vais essayer de virer ça. Mettre ça, on va voir. Voilà. Merci Yoloplasme pour les 4 mois. Vagabond Life Techno pour le Prime. Non. Le truc, c'est life, je peux les remettre ou pas, là, 3. Mal au bail, les 16 mois. Merci beaucoup. En fait, moi je peux les enlever, mais je peux pas les remettre, j'ai l'impression. Remettre quoi? Bah les vitraux, en fait. Comment ça? Bah, c'est-à-dire que je peux enlever des vitraux, mais je ne peux pas remettre des vitraux. À moins qu'il y ait un mécanisme que je comprends pas. I don't know. Ouais, je peux enlever... En fait, tout ce que je peux faire, c'est enlever des vitraux. Mais je ne peux pas remettre des vitraux. Tu veux dire pour la partie du bas, c'est ça? Pour tout, en fait. C'est-à-dire que j'ai mes trucs qui sont... Rire de droite. Mes vitraux, ils sont divisés en 3 parties. Je peux c'est les le roi René.
Mais quand je les enlève, que je les fous en l'air, ils se remettent, ils reviennent tout seuls au bout d'un moment. Mm-hmm. Mais je peux pas, genre, enlever des parties de vitrail et en mettre une autre à la place. Je peux pas les échanger, quoi. D'accord, ok. Mais du coup, là, on a les deux premières parties, celle du haut et du milieu, on les a, c'est bon. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que bon, tu me décris ça, c'est bien beau, mais... Oui, mais il te faut la partie du bas, non, en vrai? Le fond? Mais oui, mais le bas... en fait, mes vitraux, ils sont complets, tu vois, à chaque fois. Donc si je peux les enlever, mais que je peux pas les changer, du coup, ça doit pas être ça. C'est-à-dire que je peux pas les swapper. J'ai du mal à comprendre ce que tu me dis, mais... Bah, comment t'expliquer ça? mes vitraux sont divisés en trois parties. Oui, 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 bien sûr. Ces vitraux, je peux les enlever. Je peux les déboîter. C'est-à-dire, je peux enlever ou le bas, ou le haut, ou le centre, ou tout. Oui, oui. Et quand je le fais au bout d'un moment, ils réapparaissent automatiquement. D'accord. Simplement, quand je les enlève, si j'enlève un vitrail, je peux pas le remettre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, d'accord, tu peux juste le prendre, en fait. Mais du coup, tu peux rien changer, en fait. Oui, mais du coup, ça sert à quoi de l'enlever si je peux pas le changer? Je sais pas, moi, je sais pas du tout. Peut-être faut que tu les places quelque part dans ta pièce, peut-être. J'ai pas de vitrail vide, en fait. Peut-être que... Ah oui, peut-être qu'il faut que tu prennes un des... Enfin, genre, par exemple, le haut, le roi, faut que tu le mettes sur un des vitraux. Que tu trouves la meuf allongée sur un autre et que tu le mettes en dessous du roi, et pour le fond, pareil aussi, peut-être, je sais pas. Attends, tu veux dire qu'il faudrait que je commence par le bas? Ah non, j'en sais rien, moi. Je ne saurais te dire. Peut-être, je ne sais pas. Non, j'arrive pas. Pas cliquer dessus. Penny Raid pour les 8 mois. Maskim 19, les 15 mois. Servietski pour le Prime, merci beaucoup. Lettrait, les 3 mois. Du coup, ça sert à quoi de les enlever si je peux pas les changer? Ça, je sais pas. En fait, je vois pas comment est ta pièce, en fait, donc je ne saurais te dire. Il y a un détail que j'ai loupé. J'ai pas essayé de marcher sur le damier encore, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Ah, parce que toi, le damier n'est pas miniature? Non, moi, le damier, il est taille réelle. Ah, moi, il est miniature, le damier. Mais je pense que c'est pour plus tard, le damier. Je pense que c'est une deuxième partie. Ouais. Je pense que le premier truc que tu vas toucher, c'est les vitraux, parce qu'en vrai, c'est le seul truc avec lequel tu peux interagir pour l'instant. J'ai essayé de marcher sur le damier, de toute façon, ça arrive. Non, pour l'instant, je pense qu'il n'y a rien. Mais en fait, tout à l'heure, quand tu me parles, quand je te disais, quand je te décrivais le roi et tout, en fait, tu faisais quoi, en fait? Tu regardais juste tes vitraux, les 6 vitraux, et l'un d'entre eux était le bon, c'est ça? Bah, en fait, tu me décrivais le roi, mais je l'avais trouvé, le roi avec ses oignons... Et du coup, quand tu le prends, admettons, tu le prends et tu le places sur le premier vitrail, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas le faire? Ben rien, en fait, c'est quand je clique dessus, je l'ai dans la main, et quand je clique sur un autre vitrail, ben c'est juste, ben ça fait tomber, quoi, ça l'enlève, c'est tout, tu vois, mais je peux pas... Ah, tu peux pas le placer? Non, je peux pas le placer. Ou alors, c'est vraiment, il y a un truc que j'ai pas compris, comment on fait, quoi. Ouais, peut-être, je pourrais pas te dire, en fait, je vois pas ta pièce, donc... Non, je crois pas que je puisse le... Attends. Merci, Raifk, pour les 3 mois. Jean-Claude, les 18 mois, merci beaucoup. Si je fais ça, non, je pense pas. Hein. Ah, je saurais pas te dire, parce que vraiment, je vois effectivement 3 vitraux avec des parties, quoi, mais... T'as pas un autre endroit de la pièce où tu peux placer les vitraux, ouais? Bah, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, quoi. Genre, y'a pas un mur avec des vitraux vides ou un truc au sol ou... Là, y'a un truc... Y'a un... porte, mais je pense pas que ça soit une porte qui a vaguement la taille d'un vitrail. Attends, je vais essayer peut-être. Peut-être essayer, c'est peut-être ça. Mm-hmm. J'en prends un au pif. Ouais, prends-en un au pif. Dis-moi. Non, c'est pas ça. Ça a pas l'air d'être ça. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et est-ce que c'est peut-être je peux swapper les vitraux de gauche avec les vitraux de droite? On va voir. On me dit, ici Grenier décrit ce qu'il voit et toi tu valides. Oui mais non. Alors déjà, tu t'es fait time out, désolé. Mais le truc c'est que il y a que lui qui peut bouger les vitraux. Moi je peux rien en faire à part les regarder, en fait, les vitraux. Toi tu peux rien faire, hein, on est d'accord. Je peux juste les regarder, oui. Je peux juste regarder les vitraux. Je comprends pas qu'est-ce que je peux faire avec ce vitrail là. Si je peux juste l'enlever mais pas le... Mais pas le swap, à moins qu'il y a pas une touche que j'ai mal compris. 9 mois, guerrier phoenix, les 5 mois. Kéosiris, les 7 mois de sub tier 2, merci. Bien, s'il vous plaît, interagir, non.
Ah, c'est frustrant quand c'est une mécanique de gameplay que je comprends pas, en fait. Je pourrais pas te dire ce que je dois faire, ce que tu dois faire. T'es sûr qu'il n'y a pas un endroit où tu peux les placer? Moi, je pense que c'est ça, en fait. Je pense que tu peux les prendre et les placer quelque part. C'est ça, mais je pense, mais... Aïe, attends. J'ai cliqué sur un levier, là. Ah? Alors, chez moi, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait chez moi. Non, ça ne fait rien du tout. J'ai cliqué sur un levier. Est-ce qu'il y a toujours du feu derrière? Oui. Je casse tous les vitraux, mais... Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur ses soutiens. Ah, je comprends pas ce que le jeu il attend de moi, en fait. Kyo Ziris pour les 30 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part, merci. C'est ouvert, peut-être. Non. Merci beaucoup. Bah, je saurais pas te dire, hein. Moi, ah, attends. Non, ah non. Non, non, non. Je fais de la merde. Non, franchement, je ne sais pas. Alors, attends. Merci Waxing pour les 2 mois de sub, merci beaucoup. Si je fais... Enfin, si merci Kyosiris. Est-ce que peut-être que genre t'as des vitraux incomplets ou peut-être qu'il faut que j'enlève l'intrus, tu vois? Peut-être c'est genre... Peut-être, mais moi j'ai que 3 vitraux, donc t'aurais 6 intrus en tout. Enfin, c'est bizarre. Alors, il y a marqué What I Have Done, il y a un livre, j'ai pas lu le livre parce que bon voilà quoi. C'est Prime pour les 6 mois. Le truc dans notre main gauche, c'est censé être un... On est censé parler dans le jeu mais ça marche pas, on n'y arrive pas à le faire marcher. Ouais. Histoire, les 3 mois, merci beaucoup. Y'a rien dans cette pièce, j'ai rien loupé. Y'a une porte que j'ai pas ouverte encore. Ouais. Ah! Mais oui, je suis trop con en fait. Ok. Ah. Non, mais oui, c'est ok, j'ai rien. Ouais, non. C'était derrière la porte, c'est ça? J'étais passé devant, ça fait 1000 ans que je suis passé devant en fait. Ah! Ouais, c'est. Ah, le chat qui pète des câbles. Ah, très bien. Ok, donc oui, effectivement, je peux prendre. Ok, donc là, j'ai 3 emplacements de vitraux vides que je peux prendre. Très bien, alors. Que je peux assembler. Premier vitrail, le premier. Le roi mécontent qui regarde sur notre gauche avec des oignons sur son bras gauche et un collier avec une croix. Alors ça c'est le vitrail de gauche. Mm-mm. Ok, très bien. Ensuite la femme blonde morte avec la dague sur son ventre avec elle est blonde et sa tête est sur la gauche. Ouais, je l'ai. Ok, j'y vais. Et tout en bas, on dirait des brindilles enflammées, enfin des brindilles ou des bouts de bois mais nus, sans feuilles, on dirait qu'ils sont enflammés ou je sais pas. Des quoi. Arbres morts. Ouais, des arbres morts, ouais, c'est ça. Ouais. Attends, je les ai pas là. Je vais voir de l'autre côté. Alors, j'ai un truc où il y a des arbres morts. Et j'ai un truc où il y a, c'est plutôt des ronces avec des bannières et le. Ah non, ça a l'air. Alors c'est plutôt je pense que c'est plutôt les ronces avec les bannières. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Il y a tu vois des bannières? Je crois que je vois deux bannières. On dirait ou genre c'est une épée avec une bannière rouge et bleue et un petit lion. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, okay, c'est ça. De celui-là. Ça marche. Eh bien, donc là normalement ça finit. Ça finit le premier. Ok, ensuite, le deuxième. Alors, j'ai pas eu de validation nulle part, donc c'est... Peut-être qu'il faut finir le 3, écoute. Ouais, peut-être. Donc là, on fait celui du centre, maintenant. Celui du centre. Alors, c'est un mec... Tout en haut, c'est un mec casqué avec un casque de lion. On dirait qu'il a un casque de... Un casque avec un... Casqué avec un casque de lion, ouais. Alors, il y en a plusieurs, en fait. Alors, lui, il regarde sur notre gauche aussi, comme le roi mécontent. Sur notre gauche, ouais. Il a des oignons sur son bras gauche. Est-ce qu'il a des oignons sur son bras gauche? Oui. Est-ce qu'il a un truc sur le torse? Oui, il a un blason avec une sorte d'animal qui tient une épée, on dirait. Est-ce que c'est sur les deux côtés de son torse? Oui, sur les deux côtés. Son armure est de quelle couleur? On dirait que c'est gris, et surtout derrière sa tête, il y a un rond.
Ok, donc c'est bon, ça doit être celui-là. De toute façon, derrière leur tête, il y a forcément un rond, donc... Ok, c'est bon. Hippo pour les 6 mois. Le deuxième, c'est aussi une femme qui a l'air... oui, elle est morte aussi. Elle est allongée, mais sa tête est sur la droite. Elle est rousse, on dirait. Ouais. Elle a une dague aussi dans sa main droite qui ouais. a du sang. Et sa tête est sur la droite. Est-ce qu'elle a la gorge tranchée? On dirait. Et l'autre. Elle saigne de la gorge. Oui, on dirait qu'elle saigne de la gorge. Elle a une natte. Oui, elle a une natte qui passe sous sa main droite. Très bien, c'est celle-là. Et le bas. Et c'est le chevalier oignon, tout à fait. En bas, c'est des petits arbres. On dirait des petits arbres, une petite forêt, un petit bois. Des quoi. Arbres vivants. Oui, ils ont l'air vivants. Alors, est-ce que dans cette forêt, il y a combien de... Est-ce qu'il y a 4 arbres au centre et 2 à... Un à gauche et un à droite? Non. Mais plus gros? Non. Non, alors c'est pas celui-là. Non. Non, c'est vraiment... T'as 6 arbres des deux côtés, symétriques. 6 arbres des deux côtés. Ok, est-ce que c'est genre il y a un arbre à gauche, un arbre à droite et ensuite au centre il y a 4 séries de 2 arbres à chaque fois? Non. Non, c'est non, mais et au fond on dirait qu'il y a des sortes de montagnes. Ok, est-ce que c'est divisé en deux avec oui. de chaque côté 1, 2, 3, 4, 5, 6 arbres de chaque côté? Oui. Ok. C'est ça. C'est celui-là. Parce que j'ai des trucs qui se ressemblent beaucoup exprès, tu vois. C'est une ilem pour les 3 mois. Merci beaucoup. Ok, ensuite. T'as fait le deuxième, c'est bon? Ouais, j'ai fait le deuxième, le dernier. Donc le dernier, c'est encore un chevalier avec un casque de lion, mais cette fois sa tête est tournée sur notre droite. Il a une grande barbe. Alors attends, un chevalier avec un casque de lion avec une... Okay, mais c'est le même qu'avant, l'autre aussi, il avait une barbe. Oui, mais celui-là, sa barbe est plus grande. Ok, alors attends. J'ai deux chevaliers avec une grande barbe. Ah oui, je pense voir lequel c'est. Est-ce qu'il a une grande barbe parce qu'il a des oignons sur son épaule gauche et droite? Oui. Et son armure est grise? Oui. Il saigne de l'œil droit? Je sais pas s'il saigne, mais il a du... On dirait qu'il a de la lumière rouge. Blanche en dessous de son œil droit. De la lumière blanche? Ouais, c'est peut-être qu'il saigne en fait. Chez moi c'est blanc, je sais pas, c'est peut-être les couleurs. Je pense que c'est celui-là, attends. Je pense que c'est ça. Hein. Il a l'air blessé en dessous de l'œil droit, ouais. Ok, c'est bon. En dessous, c'est un chevalier... Enfin non, plutôt... Enfin, oui, c'est un chevalier, encore une fois, avec un casque de lion, mais mort. Il a 3 flèches dans le corps, dans le torse. Alors, attends, 3 flèches dans le corps... Est-ce qu'il a des petites ailes à l'Astérix sur le casque? Non, j'ai pas l'impression. On dirait plutôt une couronne en haut de son casque, en fait. On dirait une couronne avec un lion en dessous, en fait. Attends, je vais le chercher parce que je l'ai pas de ce côté... Ok, je vois une couronne avec un casque de... Il tient une épée dans sa main gauche. Ouais, une épée dans sa main gauche, 3... 3 flèches et sa tête est sur la gauche. Ok. C'est gelé. Ok, et le bas? Et tout en bas, c'est des arbres. T'en as 2 de chaque côté. 2 de chaque côté, 2 arbres de chaque côté. Et c'est tout? Et sur à gauche et à droite, il y a des ombres d'arbres en fait, tout au bord. Au bord du truc, à gauche et à droite, il y a des ombres d'arbres. Et je saurais pas trop quoi te dire de plus à ce niveau-là. Alors, 2 arbres de chaque côté. Il y a pas 4 arbres au centre? Si, il y a 4 arbres au centre. Ouais, voilà. Il y en a 2 de chaque côté. Alors, c'est le moment de révélation. Ok. Ah, ça a pas l'air d'être bon. Non. Ça n'a pas l'air d'être bon. Ok, bon, vas-y, redécris-moi le premier. Ouais, alors attends, ok. Le premier à gauche. Donc, en haut, c'est oui. Un roi au regard sévère. Oui. Les cheveux grisonnants, avec une... grande couronne, un peu à la manière de la couronne d'Angleterre. Ouais. Une armure grise. Il a des oignons sur chacune de ses épaules, un collier de perles autour du cou avec une broche
en or et un petit rubis carré au centre. Ouais. Il possède une armure sur laquelle il y a deux lions sur chaque côté du torse et il a un bouc gris. Ouais, ça a l'air d'être lui. Hein. Et sa tête est tournée sur notre gauche. Hein. Et sa tête, il a la tête vers la gauche. Mmh. Okay, vers notre gauche, pas la sienne. Hein. Du coup, vers sa droite à lui, mais vers notre gauche à nous quand attends, on regarde. Et est-ce que... Parce que j'ai un truc à la con, mais est-ce que c'est genre juste... Faudrait cliquer... Non. Parce que avant de se faire chier à tout redécrire, je vais juste voir si ça a pas ouvert une porte. Oui. C'est cookies pour le sub. Emiko Gva pour les 2 mois, merci beaucoup. Aerys et 37 mois. Dark Sidor le Prime, merci beaucoup. Ok, on va tout écrire. En dessous, une femme blonde tournée vers la gauche avec du rouge à lèvres et des roses dans les cheveux de couleur rose et des petites feuilles vertes. Elle a un poignard. Moi, je vois pas le rose, mais c'est peut-être parce que c'est de la lumière en particulier aussi, donc... D'accord. Mais oui, vas-y. Elle a un poignard dans la main droite qui est ensanglanté en haut de la lame. Elle a une robe verte et blanche. Bah, pour moi, c'est noir et blanc, mais le truc, c'est que bah, en fait, c'est la lumière derrière, du coup, ouais, ça estompe les couleurs. Mais oui, ça a l'air d'être ça. Ok, et tout en bas... Attends, sa dague, elle est dans la main gauche. Oui, elle est dans la main gauche. Oui, oui. Ok, et tout en bas, il y a donc un truc avec deux arbres de chaque côté sur lesquels il y a quelques feuilles. Oui. Au centre, il y a, on dirait, 4 lances oui. plantées. Ouais. Dans lequel il y a 2 crânes qui sortent, je crois, et il y a deux bannières plantées. Oui, avec des épées à côté. Bon, je pense que celui-là est bon. Ouais, celui-là est bon. Ok. Okay. Ensuite, deuxième. Le centre, il y a un homme barbu avec une barbe brune qui possède une armure de couleur grise qui est sur le torse, il y a des boucs, on dirait, avec qui tiennent une épée, et il a des oignons sur chaque épaule. Et il a un casque Il a un casque en forme de lion de couleur grise, et au-dessus du casque, au-dessus du casque lion, il y a un autre casque. Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Ensuite, en dessous, il y a une femme rousse avec une natte à la gorge tranchée. Elle a du rouge à lèvres et les yeux fermés. Elle est tournée vers la droite. Elle possède une dague dans la main gauche dont la lame... Non, dans la main droite, dans la main droite. La main droite dont la lame est ensanglantée. Oui. Ok. En dessous, il y a donc des arbres divisés en deux... c'est divisé en deux parties par le centre et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arbres de chaque côté. C'est ça. C'est des arbres qui ont l'air d'être en bonne santé, tranquilles. Ok, tout en... Ensuite, le dernier. C'est presque le même que celui d'avant, sauf que c'est un monsieur avec une barbe plus longue. Oui, mais sauf qu'il est tourné... il est tourné vers la droite, lui, celui-là. Il est tourné vers la droite, exactement. Donc il a un casque lion, il a un casque de son casque, il a une armure grise, il a des oignons gris sur les épaules. Et il y a un truc qu'on a du mal à distinguer sur son torse. Sur son torse, à droite de lui. Enfin, je veux dire, à notre gauche, mais sur sa droite à lui. Oui, exactement. Ok, très bien. Oui, okay, c'est ça. En dessous, il y a un homme entièrement... Il y a un homme masqué où on ne voit pas son visage. Oui. Il a un casque lion et une couronne dorée. Oui. Il a 3 flèches plantées dans son torse d'une couleur grise métal et il possède une épée dans la main gauche. Oui. Et en dessous, il y a donc 4, il y a donc le dernier vitraux, c'est un arbre de chaque côté qui sont très feuillus et au centre, ils sont pas très feuillus les arbres que j'ai, ils ont l'air plutôt morts en vrai. Mort. Enfin, en tout cas, on voit beaucoup leurs branches, quoi. On a l'impression qu'ils ont des feuilles, mais derrière, en fait, on voit vraiment les branches devant, surtout, en fait. Est-ce que les arbres du centre sont morts ? Ils ont l'air morts, ouais. Ils ont l'air un peu morts, ouais. Là, c'est peut-être celui-là, attends. Ils ont l'air un peu morts. C'est bon ! C'était le dernier. C'était ça. Alors du coup... All troops, attack the enemies. Attack the enemies. Okay. Ah, il y a l'échiquier qui vient de s'activer. Tout à fait. Sur l'échiquier, effectivement, je vois des choses. Ah, c'est à moi de bouger. Attends, je vais essayer de comprendre.
Ok, alors, je peux déplacer des pièces sur l'échiquier. Je vois que tu déplaces des pièces, effectivement. Alors, je peux déplacer des pièces sur l'échiquier. Et tu vois, du coup, toi, chez toi, il est en gros, alors, c'est ça l'échiquier. Je vois, effectivement, il y a un rocher à deux cases devant toi, c'est ça? Devant moi, il y a surtout ce truc-là, là, que je bouge. Alors, attends. Parce que là, du coup, je vois que tu bouges une pièce. Oui. Sur cet échiquier, il y a des cailloux qui empêchent de passer. Il y a également... Oui. 4 pions et 2 tours. Alors, je vois 2 tours, mais je vois pas 4 pions. En fait, j'ai un pion à moi. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est une sorte de... Ouais, c'est une sorte de petit truc qui est en forme de... Enfin, c'est un cercle en haut, quoi. Avec 2 épées qui se croisent dessus. C'est ce que okay, je déplace, alors, là. Avance. Ok, alors, je vais t'indiquer par où il faut avancer. T'es prêt? Avance. Peut-être que je prenne les pions, en fait, c'est ça, avec ça. De toute façon, t'as qu'un seul pion, on est d'accord? Tu ne peux pas. Oui. Ok. Techniquement, va tout droit. Là. Stop. Bouge plus. Va tout droit. Ouais. Tout droit. Ouais. Tout droit. Oui. 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 Ok, bah là t'es contre le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer les pions ou... Bah je pense qu'il faut que je tue les pions, ouais, peut-être. D'accord, bah dans ce cas-là, recule complètement alors. Comment? Recule complètement. Stop. À droite. Tout droit. Tout droit. Ok. Arrière. Ok. À gauche. Oui. À gauche. Oui. À gauche. Ok. Encore à gauche. Bah je peux pas, il y a une pierre. Ok, pardon, j'ai pas vu. À droite. Haut. Et tout du droit, coup, faut que je fasse le... Droit. Ah non. Tout droit, stop. À gauche. Oui. À gauche. Oui. Ok. Mets un 3 fois... 4 fois à droite. Ah, c'est bon. Ok, maintenant je vois... T'as 2 pions. Make them weaker. Attends. Storm the towers. Ok, il faut contrôler les tours. Il faut tuer les tours maintenant. Va tout droit. Mais je les vois, les tours. Je crois que je les vois, les tours. Elles sont... Il y en a une en face de moi en haut, là. Ouais, pas là. Enfin, là, il faut que t'ailles 2 fois à droite et 2 fois en haut. Deux fois à droite. Non, oh merde. Attends, c'était à gauche. Quoi? Va tout droit. Ouais. Ah, ok, attends, j'ai compris. Les deux pions se dirigent en même temps. Très bien. Alors, à gauche. Oui. Tout droit. Oui. Tout droit. Oui. Tout droit. Mais je peux pas, il y a un rocher. D'accord, recule. Oui. À gauche. Merde, c'est bon, je me suis planté, putain. arrière. Je peux pas, je suis au bord du... Je peux pas aller plus en arrière que ça. Au bord, là. Ah, je suis complètement au bord, là. Ah ouais? Tu veux oui. aller à droite? Si. Ok, tout droit? Ouais. Non. Ah oui, ok, je comprends. Je comprends. Tu regardes peut-être pas le truc dans le bon sens. Non, si, à droite. Non, je comprends en fait. J'ai à droite? Ok. Ouais. Tout droit? Oui. Ok. Non, à droite. Ça va reset. Je peux pas aller à droite, il y a une pierre. Alors recule. À droite. Vas-y, comme ça on reboot. Ok. Make them weaker. À gauche. Storm the towers. Oui. Tout droit. Oui. Tout droit. Oui. Tout droit. Oui. À gauche. Je peux pas, il y a une pierre. Parce que je pense qu'il faut péter les deux en même temps en fait. Le truc c'est moi aussi j'ai des pierres mais elles sont pas au même endroit que toi. Oh là là, ça va être terriblement long parce que là c'est je suis vraiment mauvais. Là je suis mauvais. Ok. Bon, t'en vas à gauche et suicide. Je ne peux pas aller à gauche. Ah bah recule et suicide alors. Ok. Recule et gauche. Ok. Aïe aïe aïe. Ah oh, putain. Je compte sur toi. Attack the towers. À droite. À droite. Tout droit. Droit. Tout droit. Tout droit. À gauche. À gauche. Tout droit. Ok. Tout droit. Tout droit. Ouais, c'est bien ça. Ah non, on peut le faire chacun son tour. Ok. À gauche. Ah oui, ok. Putain, au secours, ça va. Je vais jamais y arriver. Mais si, tu peux le faire. Je sais même pas par où commencer, mec. Faut que je prenne la tour qui est au-dessus de moi?
En fait, c'est qu'il faut prendre les deux tours en même temps, en fait. Mais c'est pas possible, à son... Si, c'est possible, mais... Putain. Ok, va tout droit. Alors là, il y a une tour devant moi. Hein. Ouais, c'est pas grave, vas-y. Tout droit. À gauche. Je peux pas, il y a une pierre. Tout droit, tu peux ? Oui. Ah. Je suis mort. Ouais. Take down those towers and everyone in them. Tout droit. Ouais. À gauche. Non, à droite, je veux dire, pardon, deux fois à droite. Tout droit. Tu veux aller à droite, là, ou pas ? Non. À gauche. Tout droit ? Oui. À droite, là, tu peux ? Oui. Ok, tout droit. Mm-hmm. Tout droit encore. Mm-hmm. Attends, recule. Ok. À deux fois à droite. Tout droit. Oui. Trois fois à gauche. Ok, alors là on y est presque, mais... Allez. Ok, une fois à gauche. Arrière. À droite. Tout droit. À droite. Deux fois tout droit. Eh putain. Ça a marché ? Ouais, ça a marché, c'est bon, c'est ouvert pour moi. Ok, alors je peux encore déplacer le truc, hein. Ah putain, c'est pas fini encore ? Non, je pense que c'est pas fini, non. D'accord, parce que attends, je vais aller voir, ça a fait quelque chose, moi. J'ai mes deux trucs qui sont ouverts. Ah ok, je comprends maintenant, il faut les amener. Sirop de fruits pour les 3 mois. Boulgour les 9 mois. Nasque les 4 mois. Didipis les 3 mois. Ok, alors attends. On va faire ça. Server lay les 2 okay. mois. Marina Formula 1 fan. C'est beaucoup pas trop mal. Alors attends, tout droit ? Ouais. Ok, oui. Gauche. Mm-hmm. On va essayer de... Non, à droite, pardon, à droite. On va essayer de refaire la même chose. Ok. À droite, voilà, tout droit. À droite. Tout droit. Tout droit. Mm-hmm. Tout droit. Ouais. Est-ce qu'on peut les traverser en fait ? Là, il faut juste les écarter. À droite. Deux fois, trois fois arrière. Je peux pas, je peux faire qu'une seule fois arrière, il y a des pierres qui okay, empêchent. Ok, alors une fois arrière. Oui. Trois fois à gauche. Une fois arrière. Une fois à droite. Tout droit. Deux fois à droite. Trois fois tout droit. Hein ? Une fois à gauche. Deux fois tout droit. Oh ! C'est bon ! Très bien ! This was a trap. My sons, what have I done ? Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors attends, je regarde, moi j'essaie de voir si je peux... Ah, j'ai une porte qui s'est ouverte. Ah ! Je pense que je peux y aller, je peux avancer. J'ai eu un écran noir, et je suis dans une pièce en hauteur. Je pense que je vais te voir en bas, en vrai. Je sais pas. Ah oui, je te vois ! Bonjour ! Ouais. Coucou ! Coucou ! Maître ! Maître ! Coucou ! Bonjour ! Alors... Ok, ça a l'air... Vas-y, tu vois quelque chose Alors oui, il y a une croix au milieu et il y a des ronds dans certains endroits. Bah, je pense que tu les vois, là où t'es. Ouais, je les vois. Ah mais attends, il faut que j'aille peut-être dans l'autre pièce voir... Attends, je vais voir s'il n'y a pas un pattern dans l'autre pièce. Je suppose que les murs vont se lever, ça va faire une espèce de labyrinthe. Mais attends, qu'est-ce que je dois faire ici ? J'essaie de voir un peu, je regarde un peu ce que j'avais dans l'autre pièce. J'ai l'impression que j'ai aucune envie de remercier les gens un petit peu quand même. Vas-y. Merci Yayou Candy pour les 3 mois, merci beaucoup. Skull en fond, les 9 mois, merci beaucoup. Cette porte-là, je peux pas l'ouvrir hein, par contre. Bon, je pense pas que j'ai des indications ici. Là, je ne vois rien. Ok. Merci à l'exténué pour les 9 mois. Ah, mais attends. Ok, je peux voir la pièce depuis en haut.
Ouais. Mais je sais pas du tout quoi en faire. Je regarde si j'ai pas un levier. Ah, oula. Wow. Ah, ok, je dois te guider. Ok. Ok. Qu'est-ce que... Okay. Alors, vas-y. Vas-y, pars par là. Ouais. Continue. Non, pas par là. Ah merde. Ah non. Ah, pas... Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Ok. Je dois t'emmener à la prochaine quoi. Ok, sors. Ah, ok. Sors du truc. Ensuite, bah... tu dois aller à ta gauche. Non, derrière toi. Par là. Oui. Non, de l'autre côté. Ok. Alors, il va falloir que t'ailles plus vite. Tu sais que tu peux courir. Hein. Oui, pardon. Alors, ça change à chaque fois, hein. C'est assez random. Donc, sors. Ouais. Descends. Ne pars pas par là. Continue. Voilà, sors là. Sors là, à ta droite. À ta droite. Là. Bien. Ok, continue tout droit. Ok. Ok. Re-rentre dans le truc. Continue par là. Continue. La seule sortie, puis à ta droite. Ok. Derrière toi, faut que tu sortes. À droite, ouais. Là. Tout en haut, continue. Ok, je l'ai. À gauche, là maintenant. Tu tournes à gauche. Tu vas... là, par ici. Oui. Tu continues. Tu sors par le premier truc que tu vois. À gauche. Tu sors, puis à ta droite, tout de suite. Très bien. Ensuite, tu redescends derrière toi. Tu prends la première sortie que tu vois. À gauche, ensuite. Oui. Puis à droite. À droite. Puis encore à droite. À gauche, là. À gauche. Ah non, ouais. T'es dessus, il est là. Ça. Voilà, parfait. Ok, ensuite, tu sors. Oui. Ok. Tu vas à ta droite, je crois. À droite, oui. Ouais, je crois. Tu rentres dans le truc. Oui. Tu continues à gauche, par là. Oui. Non, tu continues dans le couloir. Oui. À droite, tu fais tout le tour du truc et tu rentres au centre. Oh non. Ah, c'est rapide. D'accord. C'est extrêmement dur, c'est très stressant. Ouais. C'est très stressant. Me dis pas, sors là ou... En fait, je te dis là quand t'es à l'endroit du truc, en fait, c'est ça le truc. Dis gauche, droite, c'est plus simple, tu vois. Alors, tourne pas trop sur toi-même, alors. D'accord, ok. Okay. Je vais rester fixe. Ok vas-y. Marche. Vas-y, prends prends la première sortie que tu vois. Sur ta gauche. Ok. Ok, tu prends la sortie, puis tu vas à gauche ensuite. Ouais. Hop là, t'es dessus, c'est bon. Ensuite, là, tu vas... Putain, j'ai du mal à comprendre. Ok, tu prends le couloir où t'es, là. Oui. À droite. Tu fais tout le tour. Ça va être long. Je suis pas sûr qu'on aura le temps. Tout le tour. Puis ensuite, tu vas à gauche. Tu sors. Gauche. Voilà. Et tout droit. Très bien. Ici, tu prends là. Ouais, c'est ça. Ensuite, tu continues. C'est... Ouais. Ensuite, c'est... Attends, je réfléchis. Putain. Droite. Oui, droite. Droite. Gauche. Gauche. Oh, non, trop tard. Ouais. On peut faire un truc, c'est que tu me dis intérieur quand je me rapproche du cercle et extérieur quand je dois m'éloigner, d'accord ? Très bien, vas-y. Ok. Vas-y. Ok, donc extérieur. Ok, gauche. Puis tu sors et gauche ensuite. Voilà. Ensuite, extérieur. Droite. Ensuite, quand tu auras la première porte, tu partiras à gauche. Puis encore à gauche, extérieur, et tout droit. Très bien. Ensuite, là, en haut, en bas, enfin, intérieur, puis intérieur encore. Voilà, continue, extérieur, intérieur. Et là, à gauche, non, ah, t'étais dessus, quasiment. Ah, merde. T'es celui-là. Est-ce que toi, tu vois la croix dessus ou pas du tout ? La croix ? Quelle croix ? Ah, ok, tu la vois pas, ok. Donc, c'est que moi qui la vois. Tire de droite. Ok, extérieur. Okay. Extérieur. Droite. Non, extérieur ensuite. Non, extérieur ici. Non. Attends, on va refaire. Ok, ça reset là. Je suis ça reset. Ok, donc extérieur, puis droite. Extérieur, droite. Extérieur, droite. Ok. Tu fais le tour. Ouais. Tu rentres ici, intérieur. Ouais, intérieur. Continue. Extérieur, droite. Alors, non. Intérieur, gauche maintenant. C'était intérieur ? Ah non, c'est tombé, c'est pas grave. Ah putain. C'est pas grave. Ok. On va y arriver, ne t'inquiète pas. Reste bien dessus. Extérieur. Droite. Extérieur. Extérieur droite. Maintenant. Extérieur. Droite. Ok. Ok. Tu fais le tour. Intérieur. Intérieur. Tu fais le tour. Puis extérieur. Extérieur. Droite. Droite. Non, ça c'est gauche. Ça c'est gauche. Ok. C'est bon. Ensuite. Ah, attends, je regarde. Ne bouge pas. Tant que tu bouges pas, c'est bon.
Je peux voir ce qui va se passer. Ok, vas-y. Ok. Ok, extérieur. Extérieur. Ok, tout droit. Gauche ensuite. Enfin, intérieur, pardon. Intérieur. Oui. Puis droite. Intérieur. Tu continues. Ouais. Extérieur. Gauche ensuite. Extérieur. Gauche. Extérieur. Droite. Droite. Ok. Ok. Ensuite. Ok, attends, je regarde un peu le chemin que tu vas faire. Rire de droite. Ok, ça va être un peu long, donc il va falloir que tu m'expliques bien. Il va falloir que tu te retournes et que tu cours tout droit pendant un petit temps avant de faire intérieur. Ok. Ok. 3, 2, 1, let's go. C'est parti. Ok. Intérieur, puis gauche. Intérieur, gauche. Puis droite, intérieur. Intérieur, continue le chemin. Extérieur, droite. Extérieur, droite. Tu vas à gauche et normalement, t'as dessus. Voilà. Très bien. Okay. Maintenant, il va falloir que tu retournes au centre de la pièce. Ok. Pour retourner au centre de la pièce... Attends, je regarde un peu ce que tu vas faire. C'est un peu pas pareil de deux côtés. Sauf que là... Ouais, vaut mieux que tu passes par ici. Par ici, puis... Ok, je l'ai. Il va falloir que tu partes extérieur, puis gauche, pendant un petit temps, avant de prendre intérieur. Okay, extérieur et gauche dès que je peux. Voilà. Ok, c'est parti. Prêt? Extérieur. Go. C'est parti. Ouais, là, tu vas à gauche. Ensuite, tu prends intérieur dès que tu rentres. Et tu vas à gauche ensuite à l'intérieur. Intérieur gauche. Et puis droite. Droite. Et intérieur droite. Et ensuite intérieur le suivant. Non, c'est... Non. Non, t'y étais presque, Fred. Mais... Là, non, continue, avance. Ah non, c'est un mur, j'avais pas vu. Mais il y a un mur. Oh non, je me déteste, c'était un mur, j'avais pas vu que c'était un mur. Pardon. J'avais pas vu que c'était un mur. Oh non, c'est de ma faute. Pardon. T'as très bien géré, pardon, excuse-moi. Ah merde, j'avais pas capté. Pardon. Là, cette fois, c'est la bonne. Vas-y. Cette fois, c'est la bonne. Extérieur, gauche. Ok, extérieur gauche. Extérieur gauche. Extérieur tu continues. Ah, tu t'arrêtes là-dessus. Ensuite, excusez-moi. Tac, tac. Ok. Ensuite, extérieur droite. Extérieur droite. Cours, va plus vite. On y ouais, est prêt. Ouais, j'ai intérieur, puis gauche, puis extérieur tout de suite. Et tout droit. Voilà. Okay. Très bien. Ensuite, tu vas faire intérieur, extérieur, intérieur. Ok. Alors, intérieur, extérieur, droite. Ensuite, gauche, pardon. C'est gauche. Extérieur, gauche. Sortie, ouais, voilà, tu rentres là. Voilà, t'es dessus. Je t'ai mal expliqué, mais c'était ça. Il était un peu complexe à expliquer. Attends, là, on est en train de mur. Ah non, pas du tout, pardon, je suis de la merde. Pardon, j'essaie de voir ton chemin. Tac, tu vas passer par le centre, puis ensuite. Non, attends, non, je... Oh si, oh ça va être... Alors, il va falloir que tu cours sur celui-là. Ouais, vas-y. Il va falloir que tu cours sur celui-là. Alors, donc, c'est face à moi, là, ou derrière? Ça va sourire. C'est déjà ouvert, en fait. D'accord, je le vois pas, ok. C'est déjà ouvert. Ça va être à ta droite... Ça va être devant toi, là où t'es. Devant toi. Ouais, ok. Et il va falloir que t'ailles intérieur, ok? Ok, intérieur. Ok, t'es prêt? Ouais, go. Vas-y, intérieur. Extérieur. Ouais. Tout droit. Extérieur. Tout droit. Ah, voilà, tu vas extérieur. Ensuite, derrière toi, tu cours, c'est ultra long. Cours. Ultra long. Ensuite, intérieur, faudra que t'ailles à droite. Intérieur droite, puis encore intérieur droite. Voilà. Maintenant, il faut que tu retournes au centre. Alors, cette fois, c'est le dernier. Ok. Ok, alors attends. Ça va être extérieur. Attends, je te dis pas, Tac, ensuite, tu vas faire le tour comme ça. Et ensuite là, puis... Ok, je l'ai. Donc, tu es prêt? Extérieur, ouais. Extérieur, puis droite pendant longtemps. Tu te mets à courir une fois que t'es extérieur, dans le... Extérieur, droite pendant longtemps. Pendant okay. longtemps, voilà. Allez, vas-y. Parti. Non. C'est de l'autre côté. Ok, c'est bon. Extérieur. Et tu cours. Tu cours. Ensuite, tu cours là? C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Intérieur droite. Intérieur droite, puis intérieur gauche. Intérieur gauche. Intérieur ensuite. Et intérieur. Let's go! Yes! C'est bon. Avec ce timer qui fait clic. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible. Alors attends, je pense que toi, je sais pas si ça a déblaqué un truc pour toi, mais moi je vais aller voir. Si. Quoi? Je suis tombé dans un trou, je l'ai pas vu. Ah, il y avait un trou? Ok. Je suis tombé dans un trou, ouais. Ok. Alors attends, moi j'ai une autre pièce qui s'est jamais ouverte de l'autre côté. Mais attends, je peux pas attendre. Ah si. Alors... Ok, alors je suis. Attends. J'arrive. Attends, je vois une porte qui vient de s'ouvrir. C'est toi là? Oui, j'ai une porte qui s'est ouverte chez moi. Attends, j'y vais. Alors attends, je regarde s'il n'y a pas des leviers à activer ou des trucs à prendre ici. J'ai l'impression que... Moi, je suis dans une petite pièce fermée. Mm-hmm. Il y a des trucs qu'on peut...
Bah non, je peux pas interagir en fait. J'arrive, je pense que je suis pas encore dans la salle où il y a l'énigme en question. Ouais, j'ai des symboles sur des pentagones que... Ok, je suis dans la pièce intéressante. Rouler, je pense. Oh, il y a quelqu'un. Ah, mais c'est toi ? Ouais, je te vois. Ouais. Ah, mais bonjour. Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce qui se passe ? Attends, est-ce que me dis pas que la lèvre va monter ? Si, ça monte, fais quelque chose ! Mais je dois faire quoi ? Je sais pas, j'ai des symboles, moi. Attends, je regarde juste si je peux ouvrir des portes. Non ? Ok, t'as des symboles. Je n'ai rien. J'ai un symbole sur un bout de bois. J'ai les symboles. Du coup, oui, dis-moi, les symboles. Alors, j'ai des symboles à gauche et j'ai trois symboles à gauche, deux symboles à droite. J'ai un symbole sur un bout de bois, c'est un losange, c'est un triangle avec un rond à l'intérieur. De quel côté t'es celui-là ? Ok, je vais aller là où t'es. Redis-moi. Il y a un triangle avec un rond à l'intérieur et en dessous il y a trois symboles. Voilà. Ok, alors, okay, je sais pas, là t'es en train de... Oui, je suis en train de les faire. Tout en haut, j'ai mis le triangle avec le rond à l'intérieur. Bah oui, mais je sais pas à quoi ça sert, parce que là c'est... Il y a trois symboles qui ont rien à voir. Alors, c'est un rond avec un autre rond à l'intérieur et une croix. Attends. Je sais pas, tournez un peu tous pour voir. Non, je l'ai pas, le rond à l'intérieur avec une croix. Ça tourne de ton côté aussi ? Oui, ça tourne de mon côté aussi, en fait. Ah, mais attends, alors l'endroit où t'as que deux symboles, c'est bizarre parce que moi j'en ai trois de mon côté, des symboles. Moi j'en ai trois là et j'en ai deux là, mais moi je peux interagir avec rien du tout, en fait. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Y'a pas un truc que je dois faire ? Alors c'est à moi d'interagir, hein, clairement, mais j'essaie de voir un peu... Moi tout ce que je peux te décrire, c'est de... Genre là, si je tourne le truc, ça tourne chez toi ? Où ça, vas-y ? Là, Oui, ça tourne aussi. Et là aussi ? Ouais, ça tourne aussi. Et là, y'a rien, du coup. Et là, y'a rien sur celui-là. Et là, j'ai un troisième truc en fait. Hein. Ouais, celui-là est vierge. Ok. Je sais pas ce que c'est. Et pourquoi, en fait, je comprends pas, parce que j'ai trois symboles donc qui tournent en fonction de. Tu vois les mêmes, parce que ça tourne de ton côté. Oui. Et tout en haut, j'ai une petite planche de bois où il y a une flèche blanche qui pointe vers le bas avec un triangle et un rond dedans, dans le triangle. Avec un triangle qui pointe vers le bas. Vers le bas, il pointe le triangle ? Vers le haut, pardon. Ah merde, putain, je l'avais dans ce cas-là. Alors, j'ai ça, je l'ai en face de moi. Je comprends pas trop non plus ce qu'il faut faire là-dessus. Je pense que c'est vraiment à toi de me donner les indications, effectivement. Bah oui, mais moi, tout ce que je peux te donner, c'est les symboles, en fait, mais je vois pas... Parce que, ouais, si je tourne, en fait, ça va être le... Attends. Triangle avec... Un rond dans le... Ouais, mais non. Il y a de la lave qui monte en dessous de toi ? Je sais pas si ça monte, mais en tout cas ça souffle et il y a une musique de stress, donc je... Oui, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Bon, décris-moi... Là, de ce côté-là, celui-là. Ouais, de ce côté-là. Dis-moi ce que tu vois sur tout le long du mur. Tout le long du mur ? Je vois... Il y a une flèche. Tout en haut, il y a une flèche. En dessous, il y a un triangle avec un rond. Tout en haut, il y a une flèche, tu dis ? Tout en haut, il y a une flèche. Il pointe dans quelle direction ? Vers le bas. D'accord. Mais la flèche indique les symboles, en fait. C'est pas vraiment... Oui, d'accord. La flèche n'est pas vraiment un symbole. D'accord. Et ensuite... Et donc, il y a un triangle avec un rond. Ok, bah ça je l'ai mis de mon côté, le triangle avec le rond. Okay, et ensuite, t'as les trois symboles, c'est ça ? Ensuite, il y a les trois symboles, oui. Et de ce côté-là, il y a quelque chose ou... De ce côté-là, bah c'est... Moi, c'est... j'ai ça, hein. J'ai pareil que toi, en fait, ça rotationne des deux côtés. C'est des symboles, en fait. Et tout en bas, le dernier, il n'y a aucun symbole. Ouais, ouais. Putain, j'ai du mal à comprendre ce que je dois faire, là. Ouais. On est con. Ah, attends. Non, là, j'ai rien, là. Je crois qu'en fait, c'est les flammes... C'est pas tant la lave qui monte que les flammes qui grandissent. Non, c'est complètement la lave qui monte, je pense. Ok. Oh, t'inquiète. Ouais, c'est complètement la lave qui monte. T'inquiète, ça va bien se passer, mec. Bah, va falloir que tu me trouves ce que je dois faire, hein. Parce que Je sais pas, moi je peux rien interagir. T'as vraiment aucune info sur les cercueils, y'a rien. Ce cercueil, y'a rien du tout. Y'a rien au mur, y'a pas de symbole. Parce que là, j'ai le triangle avec le rond dedans, mais c'est tout, quoi. Le triangle avec le rond blanc, il est inscrit sur le mur, c'est ça ? Ouais, c'est inscrit sur une plaque de bois qui est au-dessus du mur, quoi. Et c'est tout ce qu'il y a dessus, quoi. Ouais.
Il y a une flèche blanche qui pointe vers le bas, il y a un panneau en bois, et sur ce panneau en bois, il y a un triangle qui pointe vers le haut avec un rond à l'intérieur dessiné à la craie. Ouais, mais ça c'est bien ce que j'ai mis ici. Au pire, touche à n'importe quoi, touche à tout, je sais pas. Bah, je sais pas quoi faire, parce que... Et si je te donne le triangle, attends. Attends, tac. Là, tu l'as le triangle ? En haut ? Non, là, moi, j'ai pas... Là, tu m'as mis le triangle, non, moi, là, ça m'a fait un... Et là ? Non plus. Là, c'est une bouche qui tire une langue. Ah, là, putain. C'est un rond avec une croix, mais qui est pas barré au centre. Là, c'est la planète... Ah, mais on n'a pas les mêmes symboles, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ok, je crois avoir compris. Ok. Dis-moi quel est le symbole que t'as en haut. Tout en haut, sur la plaque de bois ou... Oui, là, sur la plaque... Non, en dessous. Le premier truc que je peux... C'est un rond avec une croix, sauf que le centre du rond n'est pas barré, mais pas touché par la croix. Ok, alors attends. Ok, ensuite, en deuxième, t'as quoi ? Ça, c'est un carré qui est... Enfin, c'est un losange, et il y a deux traits à l'intérieur du losange. Ok, c'est bon, je l'ai. Maintenant, de l'autre côté, dis-moi ce que t'as en haut. C'est un rectangle qui est légèrement incliné sur le côté droit, avec une... comme s'il y avait une longue porte... comme s'il y avait un second rectangle à l'intérieur du rectangle. Attends. Merde, attends, j'ai fait peut-être de la merde. Non, pardon, excuse-moi, pardon, reviens de l'autre côté, mets-toi au centre, voilà, mets-toi là, et qu'est-ce que t'as tout en bas, pardon ? Tout en bas ? Oui, tout en bas. Tout en bas, il y a... Oh, putain. Tout en bas, il y a comment ça s'appelle ? Un trapèze, oui. Un trapèze inversé, avec oui. Un autre trapèze inversé à l'intérieur. Ok, alors attends, c'est bon, je l'ai. Ensuite, tout en haut, sur l'autre côté, de l'autre côté, tout en haut, tu as quoi ? Il y a une boîte, comme si c'était une boîte ouverte vers le haut qui est penchée sur la droite. Oui. Avec une boîte... Oui, vas-y. Avec une boîte à l'envers, à l'intérieur. C'est bon, je l'ai. Ouais, tout en bas, c'est quoi ? Et ensuite, t'as quoi, là ? Un carré, un demi-carré. Ah ! C'est bon ! Sors de là. Putain. Oh, ça va, il y avait le temps encore. Ouais. Ça va, c'est la première fois qu'on est rejoint, qu'on se rejoint dans le jeu, incroyable. Ouais, carrément, merci. Bonjour. Super. Là, il y a... Du coup, ça s'est ouvert là. T'as pas enlevé ta moumoute. Ah non, bien sûr que non. Et là, la porte est fermée ici, d'accord. Et l'autre porte là, c'est là d'où je viens. Écoute, allons par ici, hein. Vas-y. Merci Pyrolas pour les 6 mois. James Mallow, les 7 mois, merci beaucoup. Ok. Donc là, il y a la lave en dessous. Yes. Là, on doit prendre un ascenseur, je pense. Attends, je regarde juste quand même ce qu'il y a un peu partout. Ouais. Là, il y a une roue. Il y a une roue. Ah, je pense que l'un d'entre nous doit utiliser la roue pour faire monter l'autre. Ah. Je pense. Bah écoute, vas-y, tu me le renverras, je suppose. Ouais, bien sûr. Vas-y. Vas-y, tourne la roue. Alors attends, c'est... Faut tourner vers la gauche ou vers la droite ? Oh, tente. Ouais, voilà. Je vois qu'il me parle, je comprends pas trop ce qu'elle me dit. C'est bon ? Bah ça monte encore, ça monte encore. Ah ! J'arrive sur l'extérieur. Attends, j'arrive sur l'extérieur. On a fini le jeu ? Attends, ah non ! Ok, je peux te faire monter. D'accord. Je peux te faire monter. Il y a des symboles sur le côté. Okay, alors je lâche. Attends, j'essaie de comprendre comment ça marche le truc. Rire de droite. J'ai lâché la roue. Ah merde, je me suis enfermé. Quoi ? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé ? Game over ? Quoi ? Ok. J'ai glissé, chef. Ah, t'es mort ? Oui, j'ai pas vu qu'il y avait de la lave. Ah merde. Après toutes ces épreuves, j'ai juste... Mais attends, la lave, elle était où, là ? Elle est sous ça, non ? J'ai juste glippé. C'est qu'en fait, quand tu montes l'ascenseur, il y a un trou, il y a de la lave et j'avais pas vu. Ah merde, ok. Ah, en dessous ? Oui, effectivement. Attends, je regarde juste s'il n'y a pas des... Ah, mais attends, il y a ça ici, c'est quoi ? Ah, mais ça, c'est pour plus tard, ça, je pense. Attends. Je pense qu'on arrive à la fin du jeu, en vrai. Non, je pense pas. Je pense que... Bah, je vois l'extérieur. Enfin, je sais pas, attends. Attends, je réfléchis. Bon, vas-y, je vais remonter. Vas-y. T'es prêt ? Ouais, vas-y. Allez, j'active.
Quoi, ça? Ah, d'accord, ok, c'est... je peux... Et si on me dit yes, c'est quasi fini. Il est très court, le jeu. Ah oui? Ok. Mmh. Tu peux lâcher, là, du coup? Non. C'est bon, tu peux lâcher. Fais attention à pas tomber dans la lave. Et là, j'ai des symboles et je sais pas ce que c'est. Et, ouais, la porte se ferme devant moi, je peux pas sortir encore. Parce que là, en fait... Ok, là, je vais faire attention ce coup-ci. Là, moi, de l'ascenseur, il redescend pas, en fait. Non, non, il est avec moi, l'ascenseur. Attends, tu vois un truc? Attends, je te le renvoie, peut-être. Tourne la roue? Ouais. Ah, c'est bon, il descend. Du coup, qu'est-ce que je fais de ça? Je peux pas le toucher à ce truc-là, mais j'ai des symboles sur le mur. Ah ok, c'est bon. J'ai l'ascenseur. Vas-y, mais sauf que tu peux pas monter, je crois. Bah, je peux appuyer sur un bouton qui monte. Ouais, mais... ça marche pas. Ah si. Ah si, ça monte. Mais la roue servait à rien, en fait. Hmm. Si, chaîne saucisse, j'ai eu moi. Gavette sanglante, les 14 mois. Noul pour le prime. Et, mais sauf que j'ai ce truc là, mais je peux rien faire avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas interagir avec. D'ailleurs, j'ai pu interagir avec, mais là je peux plus. Et là, cette porte elle est fermée. C'est l'extérieur en fait. Je comprends pas. Et là, mais tout à l'heure elle était ouverte quand je suis arrivé, elle s'est fermée quand je suis arrivé. Mm-hmm. Ah oui, attends, si j'appuie là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pour appeler l'ascenseur, on dirait. Ouais. Pas interagir, ouais. Il y a des symboles. Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais si, c'est les symboles qu'on avait eu tout à l'heure. Ah non, c'est... Ah, faut que je retourne dans l'autre pièce faire ces symboles-là, peut-être. Ah. Vas-y, je redescends. Ouais. Tout se passe parfaitement bien. Ouais, il tombe pas dans la lave comme moi. Bah non, puisque l'ascenseur est redescendu, normalement ça devrait être bon. Alors attends. Ouais, mais je peux plus repartir en arrière. Ah bah non, je peux plus revenir dans l'autre pièce où j'étais. Mais comment faire? Attends. Tu peux pas revenir dans la pièce, hein? Bah non, je peux plus revenir dans la pièce où il y avait les symboles, en fait. À quoi sert la roue, en fait, du coup? Je vois pas à quoi sert la roue. Là, j'essaie d'interagir avec, ah, mais... Attends, ça... En fait, la roue, ça a ouvert la sortie, en fait. Là, si tu fais ça, ça m'ouvre la sortie. Et si je fais ça, ça te la ferme? Là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Ok, alors attends. Là, c'est ouvert? Non, là, c'est fermé, toujours. Et là? Fermé. Là? Fermé, toujours. Bon, tu me dis quand ça ouvre. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Oula. T'es ouvert, là, hein. Je peux sortir. Ouais. Mais du coup, à quoi ils servent, les symboles? Attends-moi. Ouais, ouais. Ça doit servir à quelque chose. J'ai peur qu'il y en ait qu'un seul de nous deux qui puisse sortir. Quoi, c'est fermé? Bah oui, c'est fermé, mais alors que ça sert à quoi? Putain, c'est obligé qu'il y en ait un d'entre nous qui soit en bas, qui tourne la roue en même temps, et l'autre doit sortir. Et ça sert à quoi, alors? Bon bah, tu descends, hein. Ok, ça y est, donc c'est forcément... Je suis le seigneur. Les paysans qui se sacrifient pour non, le bonheur. Non, mais t'inquiète. Vraiment t'inquiète, quoi. Ouais, je... t'enverras des secours, c'est ça? Mais bien sûr, bah j'ai le pouvoir de faire ça, toi tu ne l'as pas, me semble-t-il. Vraiment, je le fais, mais remarque, note bien que je n'hésite pas une seconde pour sauver mon ami. Bien sûr. Note bien ça. Bah, ce sera noté de fou, en fait. Hein. c'est vraiment noté, quoi. Tu vivras vraiment avec ça sur ta conscience. Ouais, ça risque d'être dur, hein, je vais pas te mentir. Ça... Comment tu vas réussir à vivre en sachant que tu as sacrifié la vie d'un paysan, quoi? Bah, franchement, je ne sais pas, quoi, vraiment. je ne sais pas.
Quel enculé, quoi. Regarde-moi ce salaud qui court et qui se retourne même pas. Enfin, s'il retourne, si, ah, allez, je me retourne. Au moins, il se retourne. Putain. Ce plan de la tristesse. Mais t'avais dit qu'on ferait des... Merci cas. Beaucoup, hein. T'inquiète. Je vraiment t'inquiète de fou. Et t'avais dit qu'on ferait des knackis. Mais est-ce qu'il y a moyen qu'on sorte tous les deux ou pas? Je pense que oui, s'il y avait une énigme là, mais... Bah à quoi elle sert la... Et quoi elle mais sert, c'était les mêmes symboles qu'il y avait sur les trucs là-bas, mais je me demande s'il y en a pas un qui doit rentrer, l'autre doit faire les symboles tout en n'étant pas rentré dans la pièce. Il y avait visiblement... Sorina m'a dit qu'il y avait visiblement moyen de sortir tous les deux, effectivement. Et mais c'est juste, toi, t'as pas hésité. T'as fait, ah mais il faut forcément se sacrifier. C'est pas foutu, c'est clairement, visiblement, il n'y a aucune solution. Mais il y a aussi We Were et Together aussi qu'on pourrait faire. Parce que là, on l'a speedrunné, là, en vrai, celui-là. C'est vrai qu'on a, les gens avaient dit que ça prendrait 2 heures, et effectivement... Ça a pris deux heures. On me dit que MV et Mintos, ils l'ont fait en 4h30. Sérieusement? Mais ils sont plus nuls à chier que nous, alors. Mais tu vois, je t'avais dit, tu disais, mais je suis nul. Et bah, dis-toi qu'il y a beaucoup plus nul. C'est vrai. Il y a beaucoup plus nul. Incroyable. Ouais, bah, on peut faire, effectivement, on peut télécharger We Were Here Together. Vas-y, je l'ai pas pris encore. C'est le premier, We Were Here Together. Hein? C'est le premier, en fait, We Were Here Together. Ah, c'est le premier? Je pensais que c'était celui-là, le premier, et que l'autre, c'était le... We Were Here Together? C'est le deuxième? Ah, je sais pas. Ah, c'est le troisième, d'accord. Ah, il y a un troisième, We Were Here Together, c'est le 3, en fait. Ah, c'est le 3. Okay, bah attends, je vais le prendre. We Are Together. C'est pareil, bah écoute, je quitte. Évidemment, on notera que tu n'as pas hésité une seconde à me sacrifier. Mais oh, n'importe quoi. J'ai vraiment hésité, vraiment. Ouais, pendant au moins 5 secondes. Vraiment hésité, vraiment, beaucoup, c'est quoi. Entre midi 2 et midi 4, vraiment, ça m'a traversé l'esprit. Vraiment, ça m'a brisé le cœur, quoi.